Alors, si tu es en terminale et que tu envisages l'année prochaine d'intégrer une licence LAS ou le parcours PASS, eh ben, je t'encourage à regarder toute la vidéo car elle te concerne, effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'anticiper au mieux son année et savoir quelles sont les matières fondamentales à retenir dès maintenant, d'accord ? Alors bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'inviter à rejoindre le groupe d'entraide de la Team 8. C'est un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Donc il y a un lien en description, c'est le tout premier lien tout simplement. Tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Ensuite, tu vas pouvoir accéder au groupe d'entraide. Et puis tu vas pouvoir échanger avec des tuteurs, des professionnels de santé si tu veux avoir des conseils sur ton orientation. Et puis des étudiants qui font actuellement cette licence LAS et le PASS. Tu peux tout à fait échanger avec eux, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi des contenus intéressants, mais ça je t'en parle en fin de vidéo. Alors, quelles sont les matières à retenir avant de commencer une licence LAS ou le parcours PASS? On va voir ça ensemble. Alors concrètement, on va faire matière par matière, je vais prendre mon temps. On va commencer par la chimie. Alors concrètement, en chimie, bah, tu dois connaître absolument les réactions acide-base. Ça c'est évident. Tous les couples acide-base et les réactions acide-base. Tu dois maîtriser ça par cœur. Ça, c'est une évidence, d'accord? Bien sûr, tu dois maîtriser les notions de titrage, les notions de tampon. Ça, c'est à maîtriser. Ensuite, on a les réactions d'oxydo-réduction avec les couples oxydants-réducteurs. Tu dois à la fois connaître les définitions, mais aussi comment bien les maîtriser. Bien sûr, il est évident que tu dois maîtriser les tableaux d'avancement pour pouvoir faire tous les calculs rapides, d'accord? Ça, c'est normal. Ensuite, on va plutôt parler de chimie organique. Donc là, ce que tu dois connaître en chimie organique, c'est la nomenclature. La nomenclature, c'est évident, tu dois connaître les principales fonctions, mais également toute la notion d'isomérie ou même la stéréoisomérie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'est le minimum en chimie. Maintenant, allons voir en physique. En physique, concrètement, il y a l'optique. Donc l'optique, vous avez trois types d'optique hein, en licence LAS, mais c'est la même chose finalement en terminale. On a l'optique géométrique, hein, c'est avec les lentilles. On a l'optique corpusculaire et on a l'optique ondulatoire. Ce fameux E égale H mu. C'est ce genre de formule que vous devez connaître. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, dans un autre type de chapitre, alors ça, ça dépend des lycées, hein. Est-ce que tu fais la radioactivité? Donc si tu fais la radioactivité ou alors si tu la fais en première, bah, je te conseille de réviser ce genre de chapitre parce que ça arrivera l'année d'après. Ensuite, bien sûr, on a la mécanique de Newton. Alors ça, tu vas en baver cette année, mais l'année prochaine, forcément, bah, tu en auras besoin. Mais attention, tu n'en as pas besoin genre des trucs de fou. Tu as juste besoin de connaître les bases, c'est-à-dire première loi de Newton, deuxième loi, troisième loi, et puis après connaître un peu comment on fait des forces, comment on fait des vecteurs, comment on les dessine, comment ça marche, etc. pour pouvoir faire en fait la mécanique des fluides. Mais ça, ça arrivera l'année prochaine. Ensuite, bah, s'il y a quelques notions d'électricité à retenir, ce serait bien. Les formules du type U égale RI, ce genre de formule, bah, c'est important de retenir maintenant. Je sais que vous faites de moins en moins d'électricité année après année. Donc, essaye de retenir des petites formules d'électricité qui peuvent te servir puisque l'année prochaine, il y aura en fait des cours sur les champs électriques, les champs électromagnétiques, les champs magnétiques. Donc, tout ça, c'est à connaître. Donc, essaye d'anticiper au mieux la physique. La physique, c'est l'une des matières les plus compliquées. Ça, c'est pas mes étudiants qui diraient le contraire. Ensuite, il y a les maths. Alors, les maths, qu'est-ce qu'il faut retenir en maths? Alors, déjà, tu vas en baver dans le sens où c'est que des trucs nouveaux que tu n'as jamais vu en terminale, quasiment. Donc, c'est ce qu'on appelle les biostatistiques. Donc, ce que je te conseille, c'est très simple. Tu vas réviser les statistiques de base. Les statistiques de première, de terminale, tu révises ça en priorité. Ça, c'est pour l'année pas prêt, hein. Bien sûr, toutes les probabilités. Probabilité conditionnelle, ça c'est un truc qui arrive chaque année, et ça tu dois le maîtriser, c'est un des premiers chapitres que tu vas avoir d'ailleurs en licence LAS ou le PASS. Alors bien entendu, tu verras, il y a beaucoup de lois, hein, de lois de probabilité à connaître, donc tu peux anticiper pas mal de choses, hein, et tu sais qu'il y a les lois binomiales, il y a la loi exponentielle, ça c'est tout ce que tu vois en fin d'année en général, on s'en souvient pas trop souvent, mais ça c'est important pour les années d'après. Ensuite, on va avoir les fonctions. Alors, les fonctions, les dérivées, pour ma part, c'est pas, tu ne dois pas apprendre de la même manière qu'en terminale, c'est-à-dire que tu vas pas, on va pas te demander de faire une fonction et puis de terminer x carré et après la dérivée, et puis etc., etc. Non, on va s'appuyer sur les fonctions pour faire des calculs de dérivées partielles. Tu verras le concept l'année prochaine, tu verras, au début, tu peux avoir peur, mais en fait, c'est extrêmement simple, d'accord ? Ça te permettra de faire pas mal de choses, des calculs d'incertitude, ce genre de choses. Et puis ça te permettra aussi, dans une autre notion,
de travailler sur les équations différentielles. Donc ça, ce sera des choses à maîtriser. Alors il y a aussi, je viens de le dire, hein, c'est les incertitudes et les analyses dimensionnelles. Ça, vous voyez en général en première et en terminale, donc je vous conseille vraiment de travailler là-dessus, parce que les analyses dimensionnelles, il y en aura toujours un ou deux QCM chaque année, et les incertitudes, pareil. Alors ça vous fait peur année après année, mais en général, tu verras qu'avec une bonne méthode, ça peut aller très vite. Ça c'est pour les maths. Donc tu vois, c'est vraiment des choses complètement différentes. Hein. Les suites, les noms complexes, ce genre de choses, t'oublies. Alors ensuite, on a la biologie. Alors la biologie, c'est assez vaste. Donc pour faire simple, tu vas avoir tout ce qui est dans la cellule, donc les éléments qui constituent la cellule, d'accord? Que ce soit le noyau, que ce soit les organites qui composent cette cellule, que ce soit bah, forcément l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN, hein, l'acide désoxyribonucléique, qu'est-ce que l'ARN, qu'est-ce que la transcription, la traduction? Tout ça, tu dois connaître. Comment on fait une réplication? Comment on fait le cycle cellulaire? Qu'est-ce qu'une mitose? Qu'est-ce qu'une méiose? Les mutations, qu'est-ce qu'un acide aminé, qu'est-ce que les protéines, voilà, tout ce genre de mots-clés, tu dois savoir les maîtriser par cœur. Donc voilà, je t'ai donné dans les quatre matières, bah, tout ce qu'il faut connaître de manière fondamentale, c'est maintenant. Et en fait, si je fais cette vidéo maintenant, c'est que je sais très bien que toute l'année, il va falloir capter ces informations pour les garder et les garder en tête le plus tôt possible. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est faire des fiches le plus tôt possible de votre petit niveau de terminale sur ces bases-là et de les garder pour l'année d'après. Vous verrez, vous gagnerez quand même pas mal de temps, d'accord? Alors, j'avais parlé de contenu exclusif. Effectivement, en description, il y a le programme découverte et le programme d'été. Le programme d'été que je vais d'ailleurs fournir davantage, où il y aura justement une grande partie de base de terminale, et c'est un programme qui est entièrement gratuit. Donc je t'encourage à le télécharger, en tout cas à suivre le programme en ligne, d'accord? Et voilà, je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as la moindre question, eh ben, tu sais quoi faire. Mettre un petit message en commentaire. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, ça c'est évident, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. C'est juste là, voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suivez bien l'affaire, en rejoignant la Team Elite. Tu verras que tu auras un appui de ma part, d'autres tuteurs. Et ça te permettra de te consolider ces bases avant l'année prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.